Autre école et autre sujet, Nicolas Hulot était en Haute-Garonne aujourd'hui, je vous le dis en titre. Il est venu soutenir l'école de la transition écologique de l'AAJ. C'est une école fondée il y a 4 ans pour sensibiliser des jeunes en difficulté aux métiers divers et qu'il soutient financièrement par le biais de sa fondation. Il était accompagné de la présidente de la région, Carole Delga, et apparemment, l'ancien ministre de l'écologie a été emballé. On l'écoute. Ce lieu redonne du souffle, de l'espoir, de l'énergie à des jeunes qui n'en avaient plus. Ils combinent l'inclusion avec la dimension économique, la dimension sociale, la dimension écologique. Enfin, franchement, ce sont des lieux géniaux qui sont une addition de petites recettes simples, mais quelque part qui opèrent une magie et qui préparent l'avenir de demain. On s'arrête un instant sur cette école de la transition écologique. C'est une jeune structure qui a pour mission de former et de sensibiliser des jeunes aux métiers et aux activités écologiques. Mathieu Chouvelon et Thierry Villéger. Ces planches et ces portes, fabriquées à partir de palettes, serviront à équiper la salle des fêtes d'une commune voisine. Le travail du bois de récupération est un des ateliers phares de l'école. À la clé, un titre professionnel de menuisier-agenceur que chacun valorisera selon ses projets propres. Mon intérêt, c'est de pouvoir revaloriser les matières qui sont déjà existantes, redonner une seconde vie aux objets qui existent déjà, parce qu'on est dans une ère où la surconsommation est assez importante. Et je pense qu'il est temps de faire plus attention à l'impact de notre travail sur notre quotidien et pour notre environnement. La préoccupation écologique est au cœur de la pédagogie de l'école, dans le travail des espaces verts et jusque dans les cuisines de la cantine où l'on recycle de la nourriture récupérée. Tout ne débouchera pas sur un diplôme, car l'essentiel est ailleurs. On accueille ici généralement en majorité des jeunes entre 15 et 25 ans, qu'on appelle des décrocheurs scolaires, mais moi j'aime bien dire plutôt que ce sont des jeunes en transition en fait, parce qu'ils sont en recherche de sens. Les profils, voilà, ça va être un master qui va venir ici et qui va chercher un métier manuel qui va redonner du sens. Et puis d'autres jeunes qui vont être adressés par des prescripteurs comme la mission locale, la PJJ, des associations. Moi je suis un jeune déscolarisé. Donc j'étais un peu à la recherche de tout ce qui pourrait me faire un peu bouger, changer de contexte. On sait pas trop à quoi s'attendre quand on vient dans un endroit pareil. Mais bon, quand on y est, c'est vrai qu'on voit beaucoup de belles choses et des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant, quoi. Transition écologique et transition de parcours de vie, la formule de l'AAJ fait floresse. Des écoles similaires sont en train de naître à Paris, à Montpellier, à La Réunion.